laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Cardi B est une rappeuse, productrice, star de télé-réalité, activiste et entrepreneur américaine. Au moment d'écrire ces lignes, la valeur nette de Cardi B est de 40 millions de dollars. Cardi a commencé à se faire connaître en tant que célébrité de Vine et Instagram. Entre 2015 et 2017, elle était membre régulier de la distribution de l'émission de télé-réalité VH1, Love & Hip, New York. La carrière de Cardi B a vraiment été lancée dans la stratosphère en 2017 grâce au succès de son single « Bodak Yellow ». Ce single est devenu diamant. Elle est la seule rappeuse à avoir jamais eu un diamant certifié RIAA. Son album studio de 2018, Invasion of Privacy, a battu un certain nombre de records de streaming, est devenu triple platine et a remporté plus tard Cardi le Grammy du meilleur album de rap. En dehors de la musique, Cardi est une méga star des médias sociaux. Elle compte plus de 100 millions d'abonnés sur Instagram, plus de 6 milliards de flux YouTube, plus de 35 millions d'auditeurs mensuels de Spotify et plus de 10 millions de fans de TikTok. Belkalis Marlenie Almansar est née le 11 octobre 1992 à Manhattan et a grandi dans le Bronx, à New York. Elle est la fille d'un père dominicain et d'une mère trinidadienne, et a 7 frères et sœurs, dont le plus connu est sa sœur aînée Si Carolina. Après avoir fréquenté le Renaissance High School for Musical Theatre et Technology, Cardi B a commencé à se déshabiller à l'âge de 19 ans, la qualifiant d'expérience positive, « stripping, m'a vraiment sauvé de beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à me déshabiller, je suis retournée à l'école. » Elle a fréquenté le Borough of Manhattan Community College avant de finalement abandonner. Elle a développé le nom de scène Cardi B, comme une dérivation de Bacardi, une marque de rhum, qui était son ancien surnom. En 2013, elle a commencé à gagner en notoriété et en popularité grâce à plusieurs vidéos d'elle devenues virales sur les réseaux sociaux, telles que l'application de partage de vidéos Vine et sa page Instagram. Cardi B a rejoint le casting de la série de télé-réalité VH1, Love & Hip Hop, New York, en 2015, faisant ses débuts dans la saison 6 de l'émission. Elle a gagné une large base de fans dans la série, Jezebel la considérant comme la vedette de la 6e saison. Après 2 saisons, elle a annoncé en décembre 2016 qu'elle quitterait la série pour se concentrer sur sa propre carrière naissante dans la musique. Carrière musicale. Les débuts musicaux de Cardi B avaient eu lieu en novembre 2015, avant son annonce qu'elle quittait Love & Hip Hop. Elle a figuré sur le remix du chanteur Shaggy de son single Boom Boom, aux côtés du chanteur jamaïcain de Dancehall Pop Can. Son premier clip vidéo a eu lieu en décembre 2015 avec Cheap Ass Weave, sa version de Queen's Speech 4, de la rappeuse Lady Lasher. En mars 2016, Cardi B a sorti son premier projet plus long, la mixtape Gangsta Beach Music, Vol. 1. Elle a figuré sur l'album de compilation 2016, Underestimated. The Album, une collaboration entre elle et les autres artistes du groupe KSRWOOD Celebrity, Swift On Demand, Cashflow Harlem et Josh X. Pendant cette période, Cardi B a continué à se faire un nom et à suivre les apparitions. Dans des émissions telles que, sa grande percée a eu lieu en février 2017, lorsqu'elle a signé un contrat d'enregistrement avec la grande maison de disques Atlantic Records. Le mois précédent, elle venait de sortir sa deuxième mixtape, Gangsta Beach Music, Vol. 2, janvier 2017. Elle a été nominée pour le meilleur nouvel artiste et la meilleure artiste hip-hop féminine aux BET Awards 2017, bien qu'elle n'en ait remporté aucun. Elle s'est toutefois produite lors de l'émission After Party des BET Awards. Par la suite, elle est apparue sur la couverture du numéro de juillet, août 2017 de The Faders Summer Music. Les débuts au cinéma de Cardi B ont eu lieu dans le film Hustlers, de 2019, qui a été acclamé par la critique. Elle a également travaillé sur le film F9, sorti le 22 mai 2020 par Universal Pictures. Avec Chance the Rapper et Cardi B a été confirmée comme juge du concours Netflix et de la série de recherche de talent Rhythm plus Flow, qui a été créée le 9 octobre 2019. Entreprise commerciale et avenant. Le premier contrat de parrainage de Cardi B a été sa campagne de 2016 avec la chaîne de lingerie new-yorkaise Romantic Depot. Ses publicités pour la marque sont apparues à la radio et à la télévision par câble. Elle a également noué d'autres partenariats avec MAC Cosmetics, Gypsy Sport, Reebok et Pepsi. En novembre 2018, elle a sorti une collection de vêtements avec la marque de vêtements de mode Rapid Fashion Nova. Vie privée. Début 2017, Cardi B a commencé à sortir publiquement avec le rappeur Offset, du groupe de hip-hop Migos.
Le couple s'est fiancé publiquement en octobre de la même année, après la proposition d'Offset lors du concert Power 99 Powerhouse, bien que TMZ ait révélé en 2018 que leur licence de mariage indique que le couple s'est marié secrètement en septembre 2017. Cardi B a ensuite confirmé cette révélation sur les réseaux sociaux. Elle a donné naissance à leur fille en juillet 2018. Immobilier. En décembre 2019, le couple a acheté un manoir à Buckhead, une banlieue d'Atlanta, en Géorgie, qui était coté à 5,79 millions de dollars. Ils ont payé 5,5 millions de dollars pour le manoir. En 2017, la maison a été inscrite pour 10 millions de dollars. Le 15 septembre 2020, Cardi B a demandé le divorce d'Offset. Dans le dossier de divorce, Cardi a demandé la garde physique principale de leur fille Culture, une pension alimentaire pour enfants et une répartition équitable des actifs car il n'y avait apparemment pas de prénuptial. Ils étaient déjà séparés au moment du dépôt. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.